Bonjour. En fait, aujourd'hui, on ouvre la Woodbox de mai. Sauf que j'avais déjà fait la vidéo. Là, je la refais. Quand je l'ai mis en ligne sur YouTube, ça n'a pas marché. Et moi, j'avais déjà effacé. Pendant qu'elle était en train de se mettre en ligne, j'avais effacé du coup la vidéo. Du coup, je suis obligée de refaire. Enfin, je vais la refaire, mais vu que c'est déjà ouvert, je vais juste montrer ce qu'il y a. Et en plus, si cette vidéo, il aurait fallu que ce soit celle-là qui aille, pas les autres, mais parce que j'avais dit que du coup, ça serait la dernière Woodbox. Du coup, voilà. Du coup, elle est déjà ouverte, elle est déjà retournée. Voilà. Le thème, c'était Survival. Là, c'est le petit truc Woodbox. Là, à la base, d'habitude, on a un fascicule, sauf que là, c'est un manga pour savoir si on veut l'acheter. Après, on a une pop Lara Croft de Tomb Raider de 2018, je crois. Ou s'il faut, c'est juste pour le jeu, mais ça m'étonnerait. Après, on avait un t-shirt Freddy. Bon, je vais pas le mettre hein, parce que bon. En plus, c'est dommage parce qu'il est marron. Et donc, un t-shirt marron, c'est pas très beau. Voilà. Après, on avait 40 mini posters de The Last of Us. Le problème, c'est que je connais pas. Du coup, ben, je pourrais pas les afficher. Du coup, il y en a plein. Du coup, voilà. Après, on a l'histoire de Resident Evil. Je connais pas non plus. Et du coup, ça raconte les films, si ils ont bien marché ou pas, les créatures, les jeux vidéo et tout. Et après le pins, je sais toujours pas ce que c'est. Voilà, je sais pas ce que c'est. Bon, du coup bah, cette vidéo du coup elle dure pas longtemps vu que je savais ce qu'il y avait dedans. Normalement après celle-là, ça sera la critique et les attentes sur Avengers 3. Après, il y a deux nouveaux concepts. Il y en a un. Bon, il y en a un. Ça sera pas tout le temps. Bon, allez, je vais le dire parce que, bon, voilà. Pourquoi ça dure plus longtemps? En fait, c'est un concept. C'est-à-dire que je vais lire les livres et je vais les comparer aux films. Par exemple, là, la première vidéo, ça sera sur Harry Potter 1. Et du coup, j'ai comparé Harry Potter 1, le livre, avec le film. Et je dirais les différences et tout. Et l'autre concept, c'est pas un nouveau concept que, pour moi, oui, sur la chaîne, c'est des théories. J'en ai déjà deux. Une qui est finie et l'autre presque aussi. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de temps. Le montage, ben, il y aura que ça parce que. Il faudra mettre des photos et tout. Et le problème, c'est que ça prend du temps. J'ai déjà ça. Ça n'arrivera peut-être pas de suite, mais je l'ai. Je peux dire le titre déjà. La première théorie, ça sera sur Mario. Ça s'appelle Mario et les mondes parallèles. Et la seconde, c'est sur Harry Potter. Le titre, ça sera Rogue, Quirrell et Voldemort. Parce que, en fait, j'ai une théorie sur les trois là. Elle est géniale. Du coup, ben on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao.